Bon, avant que la vidéo ne commence, il y a l'autre Herio là, il m'a dit de vous dire, allez voir sur sa chaîne gaming, il a posté comment seront faites les nouvelles animations. Voilà, si ça vous intéresse, allez regarder. Le lien est en description. Salut la populace! Ouais, c'est encore votre Herio préféré. Monsieur a daigné répondre, donc me revoilà. Vous faire un petit coucou. Je suis un peu votre piment d'Espelette pour vos mancards. Et puis un mancard sans moi, eh ben c'est un peu comme un stagiaire bien payé. Ça n'existe que chez les communistes. Mais je suis pas payé moi monsieur. Ouais bah ça m'étonne même pas, vu ton travail. Mais monsieur, ça fait 10 jours que j'ai fait une nuit blanche là. Oh gnagne, pauvre stagiaire, il a pas dormi. Et m'oblige pas à te remplacer hein. Oh je suis vraiment désolé monsieur, je suis désolé. Ouais. Bon, revenons à l'autre là. Déjà, c'est pas vrai, hein. Moi, je bosse dur aussi, hein. Non, mais vous croyez que c'est facile de choisir des esclaves? Pardon, monsieur? Des esclaves? Des stagiaires. Premièrement, il y en a beaucoup. Et deuxièmement, il faut choisir le bon esclave. Stagiaire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, il faut le reformer. Quand on vire un, il y en a un autre, il faut encore le rééduquer. C'est le pire. Non, mais vous imaginez un peu le calvaire que je vis? Hey, mais je peux engager un stagiaire pour ça? Oh, ok. Attendez. Regardez la vidéo. Je vais trouver un stagiaire pour stagiaire. Pourquoi est-ce que personne n'y a jamais pensé? Et mon petit Sangoku, je suis pas puceau en fait. Ah bon, dis-moi en plus. Quelle meuf t'as ken? Combien? Où? Je me suis déjà introduit dans des endroits que tu ne connais même pas. Pardon? Ouais. Mais t'es un grand malade. Non, d'abord. Non mais arrête, tu te fais du mal. T'es peut-être déjà allé sur la lune, mais moi je suis allé sur Namek. Mais je préfère être proche de ma planète d'origine. C'est ce que tu n'as plus toi. Ouais bah t'es peut-être déjà allé sur la lune, mais dans une femme, jamais. Puceau va. J'ai eu les 10K. je vais y aller sec. Oh, ça va être trop bien, je vais faire une fête. Je vais inviter tous mes potes. Ça va être grandiose. Toi, moi, on va pas y aller par 4 chemins. On va faire ça sec. Les likes étaient pris en compte. C'était les likes sur la chaîne de gaming. Les likes sur la vidéo elle-même ne comptent pas, mon petit. Mais, il n'y a pas de mais. Tu ne m'écoutes pas, petit. Tu ne m'écoutes pas. Tu vas aller faire un tour à la trébucherie. La trébucherie? Mais c'est quoi ça? C'est comme une boucherie, mais pour les trébuchages. Il fallait m'écouter, petit. Il fallait m'écouter. Ce que j'avais demandé était simple. Hey, de toute façon, si je l'embrasse, vous allez faire quoi? Hein? Ok, je vais trébucher peut-être. Mais quand je serai à l'hôpital, elle viendra me voir. Et là, on fera nos petites affaires, tu vois. Donc tu vas faire quoi? Moi, je suis un voyou, moi. Je respecte pas les règles. Oh, dites quoi, Alice? Est-ce que vous chercherez pas un personnage secondaire? Quoi, Ribou? Eh, mais c'est pas parce que tu dis caribou à la fin que ça fait québécois! Et en plus, tu veux te débarrasser de moi, là? Oh, dites quoi, Alice? Qui est très chiant aussi. Prenez-le. Mais putain! Oh, dites quoi, Alice? Calme-toi. Tu vaux jamais gérer Alice. Oh, dites quoi, Ribou? Ah, donc tu admets enfin l'avoir géré! Non, dans quoi, Ribou? Pas du tout. Mais si tu continues, tu essaieras toujours qu'il te baisse pas. Je vous ai vu sur la tour, je t'ai dit, je vous ai vu! Vous aviez l'air de beaucoup discuter quand même, hein? Ah, on était simplement sus. Ah, je le savais, elle t'a sucé! Une gâterie, c'est déjà de la gération, toi! Oh, c'est quoi, Alice, j'allais dire suspendu. Quoi? Elle t'a sucé alors que t'étais pas nu! T'aurais pu faire un effort et lui faciliter la chose, non? Oh, dites quoi, Alice? On s'est attaché à l'un l'autre. C'était comme une balade en quaribou. Et on a sauté ensemble l'un après l'autre. Oh, dites quoi, Alice? Quoi? Mais comment c'est possible ça? L'un après l'autre, ça veut dire qu'il y en avait un au-dessus, puis après vous retournez? Mais c'est dans quelle page ça? Dans quel livre? Le livre du bien-être, j'espère! Ah, de toute façon, je le savais, elle s'y connaît! Oh, dites quoi, Alice? Mais de quoi tu parles?
Arrête de m'en servir, Kirito. J'ai les preuves maintenant. Chavez, tu l'avais ken. Chavez. Mais tu continues à nier parce que t'es pas vraiment mon pote en fait. Chavez. Aussi, tu crois, Alice? Ah, on a juste escaladé un mur. Quoi, Libou? Ah bon? Mais alors, tu l'as pas pécho? Aussi, tu crois, Alice, que non, hein? Ah, ouf alors! Aussi, tu crois, Alice, mais calme-toi, que le tout baisse pas. Mais aussi, tu crois, Alice, si tu veux la pécho, c'est maintenant. Avant qu'elle se transforme en putain de robot sa mère. Quoi? Mais c'est quoi encore ce délire là? Un robot? Tabarnak, tu seras mort avant, hein? Hé, hey, tu veux devenir mon ami s'il te plaît? Non, toi deviens mon ami, ouais. Non, s'il te plaît, toi deviens mon ami. Non, toi, allez. Non, j'ai du problème d'abord. Donc c'est toi qui deviens mon ami et puis c'est tout. Ouais, mais je préfère que tu deviennes mon ami. Parce qu'en plus, t'as l'air vachement sympa comme gars. Mais non, j'ai demandé en premier. Deviens mon putain d'ami. Mais non, putain. Toi deviens mon ami. Non, toi. Non, toi. Non, toi deviens. Non, j'ai dit toi. Non, toi. Et vous avez fini de vous sucer entre vous là? Oui, c'est bon maintenant. Vous allez pas faire ça tout le trajet là? Dans un cas comme dans l'autre, ça revient au même, bande de cons. Ah ouais. Il a raison. Et voici comment je suis trop mignon sa mère. Moi je suis beau mec. Tu sais ce que ça veut dire? Que les meufs à moi elles vont me sucer la bite. Alors que toi, elles vont juste te caresser la tête. Alors fais pas le malin. L'autre jour, ma meuf me dit: mais t'as pas ta copine? Ah ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Et comment vous êtes entré? La porte était ouverte, du coup je suis entré. Mais c'est pas une invitation à entrer quand c'est ouvert! Oh là là, faut pas t'étonner qu'après que t'aies pas de copine, hein. Allez, salut! Hey, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Ok, quelle est la couleur de la neige? Blanche. Ok, et la couleur de la chantilly? Blanche. Et que boit la vache? Du lait. Où tu veux en venir? Ah bon? Et tu penses qu'elle se suce les mamelles ou alors elle attend que l'autre abruti de fermier lui donne du lait à boire? Salut à toi, jeune ninja. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Ça veut dire que j'ai formé les meilleurs ninjas de ce monde, ceux qui ont les femmes et l'argent, pendant que toi tu galères à faire des missions de rendé. Alors est-ce que tu veux en faire partie? Alors il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu veux faire pitié et être un ninja de Boruto ou de Naruto? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors soit tu cliques sur le lien dans la description, ou alors tu finis en personnage secondaire dans Boruto. C'est à toi de voir.